centaines d'étudiants en première année de licence en réseau généalogiciel à l'université Pigier Bénin découvrent l'univers merveilleux du MTN Bénin autour d'une sortie pédagogique tenue le mercredi 20 février 2020. Ils ont pris contact avec le monde de l'entreprise et ses réalités. Et le choix porté sur MTN Bénin par l'université de provenance de ses apprenants vise un objectif précis. Il faut dire que MTN Bénin est une entreprise citoyenne. En tant qu'entreprise citoyenne, nous n'avons pas qu'à cœur de faire du chiffre. Nous avons aussi à cœur de développer, d'aider les jeunes à développer des compétences. Et le segment jeune, il est un segment qui est très important pour nous. Les étudiants de Pigier dans notre entreprise s'inscrit dans un programme que nous développons et par le biais duquel nous permettons à de jeunes étudiants de venir en entreprise voir un peu le quotidien des MTNers, voir ce que nous faisons et au contact de ces réalités-là, développer des compétences pour plus tard les vendre. À l'école Pigier Bénin, en première année, c'est notre devoir, une obligation pour nous, d'envoyer tous les apprenants de la première année en visite en entreprise, n'importe quelle entreprise, dont MTN. C'est notre raison d'être ici ce soir. C'est une manière à nous de les amener à toucher du bout de doigt ce qui se fait en entreprise comparé à la théorie qu'on leur donne à l'école. De la direction générale de MTN Mobile Money au département des technologies de l'information, des ressources humaines, des finances, du marketing et de l'audit interne et investigation. Les étudiants ont eu droit à une présentation de chaque entité et son fonctionnement. Ici, c'est la section informatique. D'accord. Il y a 4 sections au niveau de l'IT. D'accord. Il y a une section qui s'occupe du développement des produits. Il y a une section qui s'occupe des applications utilisées dans l'entreprise. Nous développons les produits que nous mettons sur le marché. Et après avoir développé, nous devons assurer aussi le support, faire la maintenance de ces applications, de ces produits et faire la mise à jour. Cette visite guidée des locaux de MTN Bénin a été très édifiante et enrichissante pour ses étudiants. À MTN Bénin, ça ne blague pas vraiment. Qu'on doit vraiment beaucoup travailler, ça nous a encouragé en tout cas à donner le meilleur de nous, dans nos études ainsi que dans nos recherches. C'était formidable cette visite. J'ai retenu beaucoup de choses, des trucs que je n'imaginais pas. Par exemple, l'accès à l'Internet, comment ça se passait. Après cette visite guidée, je me vois bien d'ici 10 ans directrice du département de l'informatique et avoir réussi à œuvrer pour l'établissement de l'intelligence artificielle pour faciliter le contact entre MTN et tous ceux qui utilisent ces services en fait. En ouvrant ses portes à ses étudiants, MTN Bénin entend réaffirmer son engagement et son soutien à la jeunesse béninoise dans son épanouissement et l'accomplissement de ses rêves. Everywhere you go.